Hélas, mes frères, dans la fraîcheur ouatée de la cathédrale Saint-Royer de Tours, Dieu ne m'est pas apparu parmi la cohorte bigoteuse des batraciennes et des batraciens de Bénitier, qui éructaient sans y croire les psaumes arides de leur foi moribonde avant de retourner se vautrer devant l'école des fans pour oublier les enfants du tiers-monde. Enfin, si j'étais Dieu, mes bien chers frères, je ferais croire que j'existe. Et j'y arriverai, tonnerre de moi, j'y arriverai par le biais de maintes manifestations époustouflantes de ma grandiose omniprésence. Par exemple, je transformerai Régis Debray en bite d'amarrage pour qu'on s'assoie dessus une bonne fois pour toutes. Si j'étais Dieu, j'apaiserais les souffrances humaines à tout bout de champ, rien que pour faire mon intéressant. Je rendrais la vue aux paralytiques. Je rendrais ses jambes aux non-entendants. Je rendrais sa césarienne à Romulus et à Rémus qui appartient à César. Les deux tiers des enfants du monde meurent de faim, alors même que le troisième tiers crève d'un excès de cholestérol. C'est scientifiquement que nous sauverons ces enfants. Et il le faut, car c'est un devoir sacré. Il faut que ces enfants vivent. Il nous faut leur ouvrir nos bras et nos cœurs. Il nous faut les accueillir maintenant, vite et n'importe où, mais pas chez moi, il n'y a pas de place à cause du piano.